Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau jeu. Alors je connais pas plus que ça. On va découvrir le jeu ensemble. Enfin, je connais vite fait quoi. C'est à peu près que dans le même style que The Walking Dead. On va valider. Non, un peu plus grand. Oh, ça va suffire ça. Désolé, en même temps, je mange. Donc, j'ai vu quelques vidéos. Ça part du même principe que The Walking Dead. Il y a des épisodes, une saison, je suppose. Après, je sais que les choix, il y aura des choix dans le jeu qui auront des répercussions sur le présent, le passé et le futur. À vrai dire, je me lance dans le jeu sans trop connaître, voilà. Alors, on va découvrir ça ensemble. Là, on est dans le menu. C'est un jeu édité par Square Enix. Alors, les options, paramètres, paramètres vidéo, taille de l'écran, paramètres vidéo avancée, résolution, plein écran, synchronisation, niveau des détails. Bon, ouais. Bon, bah, tout est parfait là. retour. On peut jouer avec la manette, mais j'ai pas testé. Peut-être je mettrai ma manette, on verra. Alors là, non. Non, bon, paramètres audio, ouais, bon. Ah, sous-titrage, ouais. Parce que le jeu, il n'est pas en français. Enfin, il est sous-titré en français, mais les voix sont en anglais. Bon, un peu comme à la Walking Dead. Comment jouer? Bon, pas besoin. Alors, bah, nouvelle partie, c'est parti. Nouvelle partie, c'est parti. Voilà, comme je disais. Bah oui, c'est pas compliqué, tu vas pouvoir avancer. Alors attendez. Ah oui, les touches sont pas en. Ouais, il faudrait reconfigurer les touches, c'est pas les bonnes touches. Alors, commande. Modifier. Ah oui, voilà. Alors, avancer, c'est Z. Se déplacer à gauche, c'est Q. Reculer, c'est bon. Rembobiner, souris droite, espace. Ah, on peut rembobiner. Alors, espace, non, on va éviter ça. Sinon, on va pas voir grand chose. Ouvrir le menu pause, le journal, interagir, souris, ouais, bon, ouais, ça c'est parfait. Voilà, je peux avancer. Bon, ça fait un peu plastique pour bouger la caméra. Ah oui. Ouais, c'est ça que je fais, non? Alors. Ouais, c'est pas un rendu texture énorme, mais moi ça me plaît, ça me convient. C'est les jeux qui essayent de faire trop réaliste, bon, au bout d'un moment, voilà quoi, on peut pas faire plus réaliste que la réalité à présent. Alors moi ça me dérange pas du tout que, voilà, vous voyez ça, c'est pas un truc pour de vrai qui, enfin oui, l'ouragan ou la tempête, je sais pas trop. Ouragan, cyclone.
Alors, ouragan, c'est... Allez, Max, tu peux y aller. Bon, je vais peut-être y aller parce que sinon on va attraper ma... tomber malade, attraper froid, un feu, un peu interrogé. Donc, ce que je disais, un ouragan, tempête. Bon, il est beau en tout cas. C'est joli. Oh mon Dieu. J'ai cru comprendre qu'elle a dit oh putain et pas oh mon Dieu. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Tranquille, les élèves ici. Weird. Diane Arbus. La montre, elle est en or, bracelet et tout, mini jupe. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony, and if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Hein? Appeler des quoi? En fait, ça m'y pose. Parce que je voulais voir. J'avais peur que ça coupe. La cinématique ou enfin c'est pas une cinématique mais ceux qui discutent et puis ça a l'air d'être intéressant alors genre je vais juste écouter et puis mais c'est quoi les photos qu'il y a c'est des photos de cul ou quoi il y a des gens à poil j'ai l'impression il y a des têtes je vois des là je vois des trucs là c'est la même photo ici. C'est pas trop fait chier en fait. Tiens, ce sourire là, il me fait penser à... Comment ça s'appelle? Ah, le clip là. J'ai oublié. So that truly awful word you pesky kids love so much, the selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression, or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet I haven't kept up with my journal as much as I should. It's your turn to lecture us. If anybody else looked at this, alors, qu'est-ce qui est what would marqué? They think? Bon, il y a 8 pages. On est à la fin de la page, non? Précédent. Faudrait. Alors, je suis accepté à l'Académie Black. Il y a des... D'accord. On va lire. Au pire, je vous laisse... Vous mettez pause, moi je vais lire ou vous accélérez, je sais pas trop comment ça se passe. Peut-être mettre pause, moi, je sais pas si je peux.
peut-être vous le lire parce que je sais pas si. Par contre, je suis pas du tout très bon lecteur, alors je vous préviens. Alors, 10 juillet 2013, je suis accepté à l'Académie Black Way. Si les mots pouvaient danser, cette page serait une rêve. Bon, je ne sais pas de quoi. Bon, je ne sais pas de quoi je parle. Je ne suis jamais allé dans une rave, mais je m'en fiche parce que je suis accepté à Blackwell, un lycée privé juste pour les terminales. Pas de gamin. Je ne pensais pas que je serais si emballé. Après tout, j'ai grandi dans cette ville, mais quand j'ai reçu la nouvelle du bureau des bourses, mon cœur a accéléré. Je pensais que la lettre disait désolé, jouez encore. Une minute s'est écoulée avant que je la lise en entier. Je voulais chérir mon ignorance. Encore un instant, c'est là que j'ai vu le premier mot. Félicitations, je crois que j'ai hurlé de joie. Ma mère s'est mise à pleurer, mon père a éclaté de rire. Ils sont bizarres. Mais ils sont heureux, d'accord. Cette bourse payera mes frais de scolarité. Et mes parents pourront m'aider un peu. Je pourrai avoir des nouveaux habits et peut-être même un nouveau ordi. Oh, avant que j'oublie, je suis accepté à l'académie Blackway. Bon, on voit qu'elle est vraiment ravie d'être acceptée dans cette académie-là. Donc, 18 août. Attends, je vais peut-être. Ah, putain, j'ai peut-être dû spoiler, moi. Bah oui, carrément. En fait, il faut le lire comme ça. Suivant. Non? Ah, je comprends plus rien là. Juillet, août. Ah, ben non, ouais, non, oh, c'est moi qui m'emballe. Bon. Ça y est, aujourd'hui, je quitte Seattle pour Arcadia Bay. D'habitude, on quitte sa ville natale pour aller à l'université. Moi, j'y retourne pour faire mes études. De tous les programmes de photographie du monde, j'ai choisi la plus petite, celui qui me force à revenir dans la ville que je rêvais de quitter. Peut-être que j'avais sacrément envie de revenir pour voir si j'étais toujours ami avec Chloé. J'aurais aimé qu'elle puisse venir avec nous à Seattle. C'est vraiment une ville faite pour elle quand on jouait aux pirates chez nous et dans les bois autour de la ville. On imaginait Seattle comme une île légendaire regorgeant de dangers et de trésors enfouis et de café. Et de café. Ok. Ma Seattle n'avait rien d'un conte de fées maintenant. L'Académie Blackwing me semble l'endroit le plus exotique au monde. Étudier la photographie avec Mark Jefferson comme prof, c'est le rêve. Je vais rencontrer des étudiants de partout, ça me changera de mon vieux lycée, où je n'ai pas vraiment accroché avec les gens, encore moins avec les garçons. J'ai de la chance de m'être fait quelques vrais amis ici. Mais il est temps que je m'en aille. Finalement, peut-être que c'est Arcadia Bay que l'aventure m'attend. Alors, c'est de la folie ici. Je n'avais pas réalisé combien de trucs j'avais accumulé avant de faire mes cartons. Mes parents sont un peu trop contents que je fasse enfin le tri, même si j'ai surpris ma mère en train de pleurer quand elle pliait mes t-shirts. Ça m'a donné envie de pleurer comme une gamine et de rester à Seattle pour toujours. J'ai envie de brûler tous mes vêtements au lieu de faire mes valises et refaire ma garde-robe avec des fringues d'occasion. D'accord. Non pas que j'ai vraiment des garde-robes à refaire. Je ne connais plus personne là-bas à part Chloé et qui sait à quel point on est devenu différente. Je pourrais me faire une nouvelle coiffure de menthe, me faire un tatouage ou un piercing, pourquoi pas. Sortir avec un étudiant en art venu tout droit de Paris ou de Rome. Je pourrais faire ce que je veux, sauf si je me fais prendre. Je vais avoir plein d'opportunités de faire exposer mon travail quand j'y pense, je suis terrifié, mais aussi super impatient. J'en ai des frissons tout le long des bras. J'ai l'impression que l'université se prépare à m'accueillir. Enfin, j'ai hâte de partir. J'ai tellement envie que les choses soient différentes à Blackwood. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont pas trop blasés pour la traduction. Bon, mon avis, c'est que c'est pas très bien traduit. 2 septembre 2013, à midi 7, à mon avis, elle devait déjeuner. J'écris de ma chambre sur le campus. Non, bon, elle n'a pas très faim. Après ma première journée à Blackwing, je n'ai pas eu le temps d'écrire ou de prendre de photos depuis que je suis arrivé. J'ai des cartons partout. Ma chambre est un peu petite, mais à moins. Mais à moi. Oui, sa chambre est peut-être petite, mais à moi. Mais c'est la mienne. J'ai hâte de la décorer. Je vais remplir tout
tout un mur de photos. J'ai rencontré d'autres filles. C'est peut-être les photos. Excusez-moi. C'est peut-être la photo qu'on a vue tout à l'heure qui était sur son pupitre. Alors, j'ai hâte de décorer. Je veux remplir tout un mur de photos. J'ai rencontré d'autres filles du dortoir, mais je suis nul avec. Et non, donc je ne vais même pas essayer pour l'instant. Je peux quand même déjà me faire une idée de ce qui est sympa et qui ne l'est pas. C'est dur de s'habituer à une nouvelle école et de s'intégrer dans la vie sociale. Après m'être fait de bons amis à Seattle, mais je suis ici maintenant et ma nouvelle vie commence à bientôt. 3 septembre, c'est le jour d'après. Alors, Blackwood, je ne voulais pas me plaindre, mais bon, la journée avait bien commencé. J'avais passé une nuit sans rêve, tellement j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie. À mon avis, elle a dû passer une nuit blanche, ça veut dire. Comme une débile. Je n'arrivais pas à choisir ma tenue, alors j'ai mis ce qui traînait par terre. Je ne suis pas doué avec les noms, mais j'en ai retenu quelques-uns, comme Kate, Brooke, Taylor, Alicia. Et comment oublier Victoria Chase, riche, stylée, pourri gâtée. C'est la fille avec la montre en or, je parie. Dès qu'elle m'a vu, j'ai senti son regard de jugement. Détailler mes pauvres fringues d'occasion comme si j'étais à Blackwood pour faire un défilé de mode. Peut-être que je suis à fleur de peau aujourd'hui. On dirait que Victoria se croit dans une émission de télé-réalité. Alors, entre ça et ma timidité générale, je ne pensais pas que ce retour serait si difficile. Mais ça suffit, je ne veux pas finir la journée en me plaignant. C'était super de me faire le tour du campus dans la brune matinale. J'adore les escaliers de pierre et de murs en briques à Blackwood. Tout est une photo potentielle. Et en parlant de photos, j'ai eu au moins une bonne expérience aujourd'hui. Mon premier cours avec Monsieur Jefferson. Soupir. Ça, c'est la fille qui est amoureuse de son prof. J'ai d'autres choses à rencontrer, mais pardonnez-moi, cher journal, je tombe de fatigue. Alors ça, c'est des lettres de USA, on l'a dû l'envoyer. 4 septembre, j'ai déjà des tonnes de devoirs et abusé, on pourrait au moins avoir un jour pour s'habituer, mais sur un point positif, je me suis fait un ami en cours de sciences. Excusez-moi, je bois mon petit chocolat chaud en même temps. Alors, son ami s'appelle Warian. Warian Graham. C'est un vrai geek. Il est bourré d'humour noir et de répartie. Il ramène un peu sa science, mais c'est vrai qu'il sait beaucoup de choses. On a parlé de photos. Il a même cité des artistes que je ne connaissais pas. On a échangé nos numéros. Il pourrait être un bon partenaire d'études. Au moins, ou même un ami, et j'en aurais bien besoin vu la bande que je repérais. Vu la bande que j'ai repérée, je pensais qu'à 18 ans, je pourrais enfin échapper au drama queen, et non. Alors, je dois faire des recherches sur la photographie, sur des photographes célèbres pour mes devoirs. Monsieur Jefferson nous a donné plein de trucs à lire, mais j'adore ce qu'on étudie. Jefferson est super cool et détendu. Il n'essaye pas de faire jeune, il dit que ce qu'il pense, il attend pareil de nous. Selon moi, c'est un génie. Je veux l'épouser, j'ai des déconnes. À mon avis, c'est le mec qui faisait son petit discours là. C'est vrai qu'il disait vraiment ce qu'il pense. Enfin, ce cours compense largement le reste. Alors, 15 septembre, j'ai du mal avec les devoirs. Je parie que le prof note plus sévèrement pour éviter qu'on se prenne trop au sérieux. Pourtant, Victoria, à son cours de snob, se prenait toujours pour l'invité d'honneur. Ici, les mecs ne sont pas mieux. Nathan Prescott, c'est pas un film, Scott Priman, enfin bref. Et la version mâle de Victoria, mais incroyable, mais vrai. Plus riche et plus hautain. Sa famille est plus ancienne. D'Arcadia Bay. Je me souviens d'en avoir entendu parler quand j'étais petite. Blackwell reçoit un paquet de fric de la part des Prescott. Pas étonnant que Nathan se comporte comme si l'école était à lui. Hier au cours, il a mis les pieds sur le bureau, c'est mieux. Il a envoyé des textos et le prof n'a rien osé lui dire. Si c'était moi, je me ferais renvoyer, mais Nathan et Victoria sont membres de Vortex Club, un stupide groupe élitiste qui organise des fêtes énormes et on les laisse faire
ce qu'ils veulent. Vive les reines et vive les rois. Je ne veux pas critiquer tout le monde. J'aime bien Kate Marsh. Elle est jolie, vraiment sympa. Ça la rend plus belle que les poufs ici, comme Victoria, qui s'imagine que la beauté c'est une tenue et du maquillage. Et voilà, je me surprends déjà à agir comme elle. Terminé. Oui, il nous reste encore des pages, nous. Alors, 23 septembre, j'ai enfin pu prendre des photos du campus. Aujourd'hui, le ciel était d'un bleu parfait. J'oublie toujours la satisfaction de prendre des photos après m'être arrêté quelques jours. En parlant de photos, Monsieur Jefferson nous a parlé du concours héros du quotidien. Il nous a tous invités à y participer. Le gagnant remportera un voyage à San Francisco et pas mal d'expositions médiatiques. Tout ce qu'il demande, c'est que chaque étudiant présente une photo. C'est pour ça que je rêvais d'aller à Blackwood et je flippe à mort de participer, évidemment. J'ai 2 semaines avant la date butoir en octobre, ce qui me donne plein de temps libre pour tout remettre au lendemain. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui surchauffe là. Enfin, les cordes vocales surtout. Et angoissé un max, soupir. 30 septembre, je ne sais pas si j'adore cet endroit ou si je le déteste. J'essaye de rattraper mon retard en sciences. J'en ai pas grand chose à foutre. En même temps, heureusement, il y a Warian. Je le clonerai bien pour qu'il prenne ma place en cours. Madame Gran est bien plus intéressante que les cours. Elle explique la physique subatomique d'une manière que moi-même j'arrive à comprendre. J'adore sa façon de faire, le lien entre la société et les sciences. Elle est vraiment passionnée. Pas comme certains, j'essaye de faire un effort de participation, même si ça implique de poser plus de questions plutôt que de m'asseoir au fond. Et au moins, je ne suis pas la seule asociale ici. Insociable, peut-être. Ouais, à mon avis, c'était insociable. Bon, voyons combien de devoirs j'ai accumulé. Allez, dernière page. 1er octobre. Octobre, mon mois préféré. J'adore le temps et je regarde les feuilles changer de couleur, mais il fait encore trop chaud. Merci, le réchauffement de la planète. Aha. Pour sortir mon manteau, mes gros pulls ou les films d'horreur bientôt. Oh, Kate m'a prêté Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Je n'ai pas plus grand chose de lui. Warian a failli me retirer mon statut de geek à cause de ça, jusqu'à ce que je lui agite mon exemplaire de Battle Royale sous le nez. Mais il décrit exactement l'ambiance des petites villes en automne. La dernière fois que je me suis déguisé pour Halloween, c'était avec Chloé. J'ai quelques photos qui traînent dans mes vieux albums. Je devrais aller m'inscruter à une vraie fête d'Halloween pour socialiser un peu. C'est soit une de ces horribles soirées piscine avec tous ces hypocrites de Vortex Club. Ce serait vraiment comme nager avec le requin. Mort de rire, Max. Alors, je comprends pas trop, Max. Mort de rire, Max. Bon, ouais. Au moins, j'essaye de sortir de ma bulle. Je ne devrais pas m'attendre à un changement radical au bout de 2 semaines à Blackwood. Comme mes parents me le répètent, en boucle, tu as toujours le temps. Non, tu as tout le temps, excusez-moi. Bon, je crois que, bah oui, bah là c'est fini. Je vais stopper cette vidéo-là et puis on se retrouve sur le prochain épisode où on va feuilleter un petit peu plus ce carnet-là. Allez, ciao au prochain épisode, j'espère que ça vous a plu en tout cas.